dans un sac simili-cuir plastifié de couleur rouge, j'ai rassemblé tout ce dont j'ai besoin pour faire mon brin de toilette. Tout en plongeant la main gauche dans le sac, je détecte une brosse à cheveux et m'en empare. Oui, mes cheveux ont repoussé depuis l'accident. Mais il me faut les couper court, car je dois avoir le front et les yeux dégagés afin de pouvoir prendre la douche toute seule. Il est 10 fois plus commode de laver, de rincer et d'entretenir des cheveux courts. Le choc de l'accident est inscrit sur ma figure. Calme, sérieuse. Lorsque je souris, celle-ci se contracte en une grimace. Heureusement, mes proches en connaissent le code. Lorsqu'on s'approche de moi, mon excitation ou mon émotion provoque en moi une telle ébullition que je tremble de tout mon corps. J'ai toujours l'impression que je fais fuir, de déstabiliser autrui. Mais qui est le plus déstabilisé ?